La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8h-9h. Réveil Média, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL. Et cette semaine, à l'approche de Noël, on a le plaisir d'accueillir le journaliste Jean-Michel Apathy ce matin. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va. Ça va ? Bah ouais. Bon, vous n'avez pas eu trop de mal à vous garer un petit peu, hein, dans un arrondissement. On ne va pas alerter la police tout de suite. Et on remercie Anne Hidalgo. Alors Jean-Michel Apathy, pour commencer cette émission, on va faire l'audio clin d'œil. Romain va poser une question à notre équipe, puisque vous connaissez la réponse, c'est sûr. Et cette bonne réponse va donner lieu à ce sonore. Alors notre invité est un grand journaliste politique, ce qui peut lui donner parfois des envies présidentielles. Vous aviez même dit sur le plateau de Quotidien, il me semble qu'une des premières mesures qu'il fallait faire, c'était augmenter le salaire des présidents de la République pour que les élites des grandes écoles soient motivées à l'idée de faire la politique en France, plutôt que de vendre leurs talents dans des entreprises privées. Mais vous avez aussi des idées de mesures que vous feriez si vous étiez président. À votre avis, mes amis, quelle serait la première chose que ferait Jean-Michel Apathy s'il devenait président de la République ? Est-ce qu'il rendrait les musées de France gratuits ? Est-ce qu'il raserait entièrement le château de Versailles ? Ou est-ce qu'il tenterait d'œuvrer pour l'indépendance de la Corse ? L'esprit politique français est fabriqué par le souvenir de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle. Quand on fait de la politique en France, madame, c'est pour renverser le monde. Eh bien ça n'entraîne que des déceptions. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai ? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, hein, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure vous numéro... Vous venez tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1 pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Puisque vous parlez de devenons futur. Réalistes. Alors Jean-Michel Apathy, je t'ai un peu énervé. Léché. Je t'ai un peu énervé. C'est quand même joli, le château de Versailles. La promesse a été prise au premier degré par quelques-uns de nous. Donc ça m'a rendu quelques problèmes, donc je ne la réitérerai pas ce matin. On se doute bien que si vous êtes président, vous n'allez pas raser le château de Versailles. Oui, déjà que je sois président, la probabilité est faible. On peut vous inscrire aux primaires. Non, je n'ai jamais voulu faire de la politique. Non. J'ai toujours pensé que j'avais un esprit disposé pour observer la politique, mais pas pour en faire. Donc je crois qu'il ne faut pas trop se tromper sur soi-même. Quand on observe, on arrive à voir peut-être les mesures qui seraient peut-être les plus adaptées. Non, je crois que c'est une sensibilité, une mentalité de faire de la politique. C'est vrai. Aujourd'hui, on vous retrouve en librairie avec votre nouveau livre. Ça s'appelle « On prend presque les mêmes et on recommence ». C'est aux éditions Flammarion. Alors, bon, vous pouvez voir, j'ai un peu analysé votre livre. Ça m'inquiète. Il a juste mis des post-it. Non, c'est tout. Oui, c'est voilà. Juste pour se donner un genre pour la webcam. Il y a marqué « Acheter des kiwis » sur le troisième. C'est impressionnant. Jean-Michel Apathy, on va parler un petit peu de votre parcours. Oui. Vous êtes originaire des Pyrénées-Atlantiques, comme moi. Très bien. Tenez à le dire. Pour une fois, un invité est originaire du pays basque, de parents commerçants. Ils ont la gérance d'un café. Comme vous, d'accord. Où les clients viennent boire un verre et parler politique. Vous quittez l'école à l'âge de 14 ans après avoir obtenu votre BEPC, c'est aujourd'hui l'équivalent brevet des collèges. Hein. Vous enchaînez au repêchage. Au repêchage, effectivement. Vous enchaînez les petits boulots, vous travaillez comme garçon de café et vendeur de voitures. Comment avaient réagi vos parents quand vous avez décidé de sortir du milieu scolaire, Jean-Michel Apathy ? Oh, ils m'avaient plutôt encouragé parce qu'à l'époque, c'est au début des années 70, la société française connaît le plein emploi. Et aucun des copains qui étaient les miens au Pays Basque n'a été jusqu'au bac. Il n'y a pas des interviews qui pourraient marquer Une qui m'a marqué, en fait. Peut-être que l'anecdote est un peu longue, mais le monde entier attendait des nouvelles de Yasser Arafat qui était venu à Paris se faire opérer. Et en fait, il était venu mourir à Paris. Et à partir du mercredi, il était arrivé le vendredi précédent, c'est à l'automne 2004. Des rumeurs indiquent qu'il est à l'article de la mort. Et le vendredi matin, très tôt, à 5h du matin, la personne qui était la porte-parole de Yasser Arafat en Europe, que je connaissais un peu, qui s'appelle Leïla Chaïd, puisqu'elle est toujours vivante, m'a appelé pour me demander si elle pouvait venir sur RTL donner des nouvelles de Yasser Arafat. Ce qui était une attente mondiale, pour le coup. Donc elle est venue ce matin-là, donc là, évidemment, il y avait une grosse attente, une grosse tension. Et je savais, c'est un souvenir de journaliste qui est assez fort dans ma mémoire, je savais qu'elle racontait n'importe quoi, au moment où elle le disait. Ah. Parce qu'elle disait « Yasser Arafat va très bien ». Il est en pleine forme, il va mourir le mercredi suivant. Je savais, je dis ça aujourd'hui, c'est facile de le dire, mais je pressentais qu'elle racontait n'importe quoi. Parce que Yasser Arafat avait presque 75 ans, il était arrivé très affaibli. S'il était venu en France, c'est que quand même il y avait un petit problème. Exactement. Sinon, son toubib de campagne l'aurait soigné à Ramallah. Enfin bon, on voyait bien que ça allait pas. Quoi. Mais
La fiction était là, et c'était une femme très intelligente, très forte. Elle en imposait dans le studio. C'était un moment extrêmement fort. Oui. Les téléspectateurs vous ont vu pendant de nombreuses saisons dans le Grand Journal sur Canal+, une période de votre vie que vous décrivez comme 9 longues années joyeuses et créatrices. C'est ce que vous avez écrit dans un billet d'humeur sur votre blog. Et un peu plus loin, vous dites que c'est en 2012 que tout a basculé. Ce Grand Journal optimiste et lumineux est apparu en décalage avec une France à ce point incertaine. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à ce moment-là, Jean-Michel Apathy ? Avec l'élection de François Hollande, tout ça est devenu un peu insupportable. C'est-à-dire qu'on a commencé à stigmatiser, c'est un peu la fin des années Sarkozy, l'individualisme, le bonheur individuel. Et des gens qui incarnent ça tiennent depuis le haut du pavé. Éric Zemmour incarne ça, sa critique de l'esprit 68, qui est une critique mortifère pour des sociétés occidentales modernes, mais c'est une pensée qui est aujourd'hui dominante. Et puis tout un tas de gens se sont insinués dans cette pensée-là, qui donne une vision du monde triste, rabougrie, peine à jouir, chiante. J'appelle ça la pensée du Pont-Aignan. Parce que Dupont-Aignan est un personnage à la fois marginal qui ne produit aucune pensée. On se souvient de votre confrontation d'ailleurs dans le grand journal. Parce que l'idéologie du Pont-Aignan se résume à une question, c'est combien vous gagnez. Il y a la jalousie. Vous lui en voulez aujourd'hui, Jean-Michel Apathy, de vous avoir posé cette question dans l'émission? Non, ou de vous avoir confronté? Pas d'avoir posé la question, on en veut toujours à quelqu'un d'être bête. Parce qu'il vous embarrasse. et je suis un peu meurtri de voir que ça devient une pensée dominante. Voilà. Et tout ça va dans le sillage des forces politiques dont on voit bien aujourd'hui qu'elles sont fortes, c'est-à-dire des forces qui nient le bonheur individuel, peut-être qu'elles ne formuleraient pas les choses comme ça, mais leur discours c'est ça, qui le stigmatise, qui le condamne. Aujourd'hui, être intelligent, beau, jeune et riche, c'est un crime. Eh oui, je le vis tous les jours. Voilà. Donc, pour une fois que je suis compris, je suis content. Il y a quelques temps, un journaliste politique, Jean-Jacques Bourdin, en recevant Emmanuel Macron, disait « C'est votre première grande interview politique depuis votre déclaration à l'élection présidentielle », sauf qu'avant, il avait fait toutes les émissions du PAF à part la sienne. Le journaliste politique aujourd'hui, qui devient plus important pour certains que l'intervieweur qui est en face, c'est un problème pour votre métier ou pas? Je pense que votre question est une question intelligente, mais elle généralise un peu trop la situation. Jean-Jacques Bourdin pense qu'il est le journaliste le plus important de... C'est oui. D'accord. Non. S'il le pense. J'aime la réponse. Bon, Jean-Michel Apathy, vous restez avec nous tout au long de l'émission.